Kevin, ça t'arrive pas des fois de te dire « Hey, je suis tanné de boire ma vodka, j'aimerais ça trouver d'autres façons de le rentrer en moi, parce que je trouve que ça goûte la merde. » Ouais, non, je me dis ça à tous les jours. Ben écoute, j'ai mis des aliments dans la vodka pour qu'on essaie de se saouler sans avoir besoin de boire la vodka. Et combien de temps les as-tu fait tremper dans cette dune vodka? De 48 heures à une semaine. What? J'ai trempé des choses 48 heures dans le frigo et vodka. On voulait voir qu'est-ce que ça allait faire. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est pire? Puis est-ce que c'est mangeable? J'ai aucune idée de ce que Andrew a fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va cacher, il va aller chercher les aliments. Il met ça dans deux verres. Je vais sélectionner lequel, puis ça va être une surprise. Je vais essayer de sélectionner un bon, un pas bon, que je pense sera bon et pas bon. Fait qu'il y a certains aliments que j'ai aussi mis une semaine, juste pour voir s'il y a une différence. On va pas les manger. Fait que let's go les amis, on fait ça! La raison pourquoi il y en a qui sont plus élevés que d'autres, c'est juste que j'ai pas les mêmes pots maçons. Fait qu'on a les bols de dégustation, ouais. Nos pinces pour aller choisir ça. Puis notre puke bucket, lequel tu veux prendre, Kevin? Pourquoi, tu sais, genre, psychologiquement, je me dis qu'il y en a plus là-dedans que lui. Ah, on prend une bouchée, là, quand même, on va pas prendre... Non, non, j'ai mis des grosses affaires, on prend une crise de bouchée, c'est juste... Ah, ok. Ben, je vais prendre le gros. 3, 2, 1. Fait que Kevin, ce que t'as devant toi, c'est un saucisson. Un saucisson sec, là, qui se vend à l'épicerie. Puis moi, j'ai un Kinder Surprise. Oh mon Dieu, je voulais le Kinder Surprise. Ouais, ben, quelle surprise, je l'ai eu. Donc, ça, c'est les versions une semaine. Mais c'est la même maudite affaire. Fait que c'est la même affaire. C'est-tu la même affaire? Non, ben... Check ça, allez, là. Ça, c'est celui que je vais manger. Puis ça, c'est celui d'une semaine. Il y a la pas, même affaire, hein, pas, il y a vraiment pas de différence. Bon, ben, on va le tasser. Ici, là, 48 heures. Puis ça, ouais. Il y a de l'air plus blanc. C'est moi, ou... Je pense que ça devient blanc dans genre les deux premières heures. Moi, je pensais que ça allait comme devenir tout mou ou ça allait disparaître, mais c'est... Ah, toi, t'as mis le jouet en plus. Oui. Ok, j'ai pas été capable d'aller chercher. Tu l'as-tu juste... Il s'effrite? Ouais, je pense qu'il est juste mort. Oh my God, mais il s'effrite plus. J'ai pris l'alcool qui est la plus... Ah. Quoi, ça sent-tu dégueulasse à part la vodka? Non, ça sent la vodka salée, man. Oh! Fait que... Ben moi, je pense que ça va être simple, là. Vas-y. Vas-y. Ça goûte... C'est mou. Ça goûte ça à vodka? Tu sais, tu manges un chocolat à l'alcool un peu, là, mais c'est moins pire. Ça goûte toujours le chocolat? Ouais, ça goûte le chocolat. C'est bon. OK. Ouais, c'est le saucisson. Ah, il est mou. Je sais pas quoi penser. Arc! C'est tellement salé, mais il y a comme un côté amer, puis ça s'est rendu mou à cause de la vodka. Tu veux-tu essayer? Non, on a eu un jouet qui a trempé dans le plastique dans la vodka, puis il est tout à fait intact. T'es pas obligé de le manger au complet, Kevin. Arrête de le manger. Là, y en a qui dépassaient un peu, fait que j'ai dû mettre un tissu pour pas montrer ce qu'il y a en dessous. Lequel tu choisis? Ah, t'as fait exprès qu'il y en ait un plus haut pour le fun? Peut-être. Ah, ok. En tout cas, je vais continuer en me disant que ça va être moins pire cette fois-là, de ce côté-là. C'est quoi ce face-là? Je vais vous dire, on a deux trucs classiques avec de la vodka. Ah, ok. Ok. On a un vodka pickle, puis vodka jus d'orange. Parce que vraiment, de la vodka, ça change absolument rien. Tu le trempes 24 heures ou une semaine, ça va faire exactement la même affaire la plupart du temps. Ah. Ben, ça sent vodka. Ça, c'est ma... C'est pickle, man, en esti, man. Ma semaine? Je me demande si ça préserve mieux les aliments. Peut-être que quelqu'un peut dire ça dans les commentaires. Je vais goûter. Je pense que le pickle, ça va rien faire. C'est bon. C'est juste bon. Je pense que la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Lequel qui est plus foncé? De une semaine? Ouais, une semaine. C'est bon? Pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'était bon, finalement. Ça, j'ai l'impression d'avoir stérilisé le goût. Le pickle. On dirait, t'as juste la texture du pickle, pis t'as quasiment que du goût d'un vodka avec un fond de pickle. Toi, tu pourrais boire ton affaire, peut-être ça, c'est pas pire. Oh, ouais, ça, c'est salé. Ça reste la vodka, hein. Oh mon Dieu, on peut pas gaspiller toute cette vodka-là. Andrew, je vais garder mon drink. Bon, est-ce que là-dedans, il y en a un de dégueulasse? Let's find out! Celui que je pense va être dégueu, j'ai pas vraiment envie de le manger. Mm. Sais-tu, cette fois-là, je suis sûr que tu prévois que je vais vouloir changer. Non. Fait que là, tu t'es dit, je vais prendre lui. Non. Fait que tu veux... Quoi? Ben, je prends lui. What? Je prends lui. Ah! C'est quoi? C'est quoi ça? C'est une banane? Fait que j'ai eu des jujubes. Puis Kevin a eu des bananes. Ça, c'est un gros classique, vodka, jujube. Oh mon Dieu, je suis sûr que ça va être dégueulasse pour la semaine de bananes.
Tu vois qu'elle a comme commencé à s'effriter. Les jujubes ont tout absorbé l'alcool dans une semaine. On dirait que ma banane, une journée, est pire qu'une semaine, Andrew. Et ça, c'est une journée. Deux jours. Oh! C'est pas ça sent bon. Oui. Ça, c'est une semaine. Oh my god, sens ça! Ça sent mon shake. Ça sent vraiment la banane. Peut-être qu'on a trouvé des nouveaux. Ok, ouais, lui, il sent moins bon, voisin. Il y a quelque chose qui se passe en une semaine. Avec le jujube. Man, il est gluant, là, ceci dit. Ah. Ah! Ah. Non. C'est pour ça qu'il n'existe pas de drink vodka banane. Fucking dégueulasse. Moi, je goûte maintenant le une semaine, voir s'il y a une différence. Tu sais comment sont Chubbs? Les deux sont bons. C'est drôle. Une semaine, c'est... Je veux l'essayer. Une semaine, c'est meilleur. C'est définitivement la meilleure façon de boire de la vodka. Vrai, oui, ça passe bien. Puis, tu sais, le pire, c'est qu'on a acheté la vodka la plus cheap au monde, je pense, qu'il y avait à la SAQ. Je vais prendre mon shooter de ça. Très bon. Pour celle-là, il n'y a pas de une semaine. Tous les deux, je les ai fait tremper le même nombre de temps parce que je me suis dit que ça allait rien changer. Puis il y en a un qui est moins pire que l'autre. Définitivement. Ça va être clair? Oui, 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 ça va être clair. Ting! 3, 2, 1. Ah! Non! Fuck off! Pourquoi? Les biscuits pour chien! Ouais, ça fait que d'un côté, t'as des biscuits pour chien, même, qui ont pris une couleur assez agressivement laide. on a des noix, des amandes et des arachides. On dirait que l'eau est juste rendue bien salée. Et faisons le test olfactif. Oh! Oh, oh! Man, ça sent le bacon pis tout le kit de chien. Je peux te sentir les amandes. Ça sent bon. J'allais dire ça sent les. On dirait que ça sent les peanuts, mais c'est parce qu'il y a des arachides dedans. Il y a des arachides et amandes. C'est comme ça qu'on fait du lait d'amande, Kevin? Probablement. Ouais. On dirait que c'est le karma qui me revient dessus, hein, parce que je t'ai fait manger un biscuit mauvais de trop dans le dernier. Oui, tu m'as fait. Puis je n'ai jamais pris le mien, fait que moi, j'y reviens en force avec de la vodka. There we go. On dirait qu'il s'effrite tout en plus. Ah mon dieu. Je pense que ça, c'est correct. T'as bien. Ça doit pas être super. What? Oh, damn! Trop d'émotions qui se passent en même temps. Moi, je suis tranquillement en train de manger mes noix, là. Tabarnak, man. Tu vois-tu des ghosts tout à coup, là? Je vais manger une jujube. Man, on dirait que t'étais dans un autre monde. Je vais faire passer ça avec une jujube. Moi, je vais boire mon petit jus. Ah, oh, man, c'est abominable. Tu veux pas essayer? Non, j'ai l'impression juste d'avoir comme crissé du sel dans de la vodka, c'est tout. Moi, c'est la face emotionless d'Andrew. Il voit que je cherche une réponse, puis il fait juste comme être... Il fait « shut his face ». Il y a rien. Dis-moi un ou deux. Trois. Un ou deux. Deux. C'était quoi j'avais choisi déjà? Ok, attends. Deux, c'est pour toi ou c'est pour moi? Pour moi. Ok, ben toi, tu prends ça, moi, je prends ça. Ok, trois, deux, un. Fait que, Kevin, de ton côté, tu as, pour toi, quelque chose d'assez simple, des haricots verts. OK. Puis moi, j'ai du brie. Je pense qu'aucun des deux va être si terrible. Puis je peux même te montrer ce que ça fait une semaine plus tard, qui est probablement absolument rien. Arc! C'est dégueulasse! Ça, c'est une semaine. OK, je suis content d'avoir pris les haricots. Hein. Ouais, je pense que les haricots, ça va être super. Ça m'a pris par surprise, je pense. Tu vas pioque, man. C'est sûr que tu pioques. C'est 48 heures. Oh. C'est comme s'il a fait sortir toute l'odeur qui puait pour qu'il reste du fromage. Ça goûte plus rien. C'est rendu stiff. Stiff en français, rigide. Oui, il est vraiment rigide. J'ai l'impression de manger du tofu. Donc moi, le haricot, rien de spécial. Celui de une semaine est un peu plus pâle. Ah, il y a encore du bout de manger de chien. Nice.
Fait que haricot. Ça goûte le haricot puis la vodka. Fait que juste pour finir, pour changer notre haleine, Kevin, on va prendre un peu de café, graines de café. Tu veux qu'on prenne la graine de café ou... Ah, oh, wesh, c'est la texture. Ah. Ah, c'est dégueulasse, comment tu fais pour manger ça? Je sais pas même. T'es habitué au café amer, ça paraît, hein? Le mélange café-vodka, tu sais, pour te donner un petit boost avant que tu te défonces. Fait que Kevin, comment t'as aimé ton expérience de manger des choses avec de la vodka au lieu de boire la vodka? J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu le referais encore? Ouais, mais avec d'autres alcools ou d'autres trucs que t'as trempés pendant 24 heures qui vont pas trop fucker ma santé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner à la page, à la chaîne de Kevin Drew. Puis aussi, si vous avez des idées dans quoi on pourrait tremper des choses, puis qu'est-ce qu'on pourrait tremper dedans? Laissez-le dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur le site gaboomfilms.com pour voir notre marchandise et nos articles et voir toutes nos vidéos de Gaboom et Kevin Drew. Fait qu'on se voit à la prochaine. Kev va à la caméra pour la frapper. Thank you. All black whip, yeah, my coupe on Onyx. And I get brain like I'm hooked on phonics. Can't get a meaning cause I'm booked till August. And I look like a jet, never switch up. It's evident I gotta pick up where the best left off and the best dressed out. Leave a mess.